Toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un décor qui n'est pas le même que d'habitude, assez particulier, mais il y a une bonne raison à ça, c'est pour filmer une voiture particulière. Alors voici, pour vos yeux ébahis et émerveillés, l'Exam Crossover. Oui, bon, elle est neuve, donc forcément, il y a Outre sa ligne de baroudeur, on peut dire qu'en fait, la Crossover, c'est une Exam normale. Vous avez exactement les mêmes feux pour faire un petit rappel Audi. Ah oui, et pour ceux qui douteraient... Salut, petit moteur. Pour ceux qui douteraient que, oui, Exam s'inspire bien d'Audi. Vous allez me dire, oui, mais c'est sans permis, tu dis de la merde, etc. Regardez cette ligne-là. Vous voyez les feux et vous voyez qu'ici, c'est un peu renfoncé. Faites l'expérience, si vous n'avez pas d'Audi, ne serait-ce qu'aller chez un concessionnaire et regardez cette ligne. C'est la même. Et c'est pas pour rien. La face avant du véhicule est quand même assez différente des Exam traditionnels. Pour ceux qui connaissaient déjà les anciennes Crossline, vous ne serez pas dépaysé. Vous avez cet énorme pare-choc en noir, on va dire teinté. Enfin, non brillant, voilà. Ici la calandre, comparé à la Minotto qu'on a testé tout à l'heure, ici le radiateur est revenu à cette place-là. Vous avez des feux diurnes, vous avez, c'est pas une vraie, mais une imitation, vous savez, de ces plaques en fer là qu'on a pour les 4x4 pour pas que l'eau, pour non seulement pas que l'eau s'infiltre, mais pour protéger le châssis. Et vous avez ici les feux anti-brouillard. Alors c'est assez bizarre en fait d'avoir les anti-brouillard en haut et les feux diurnes en bas, mais bon. Concernant l'intérieur, l'intérieur est sensiblement le même qu'en fait que l'Exam GTO qu'on a testé il y a quelques temps, à part que celle-ci c'est un modèle un peu moins haut de gamme, donc il y a l'autoradio. Après il faut savoir que l'autoradio ou la tablette ou l'énorme tablette de 9,2 pouces en fait sont disponibles en option, donc on peut très bien avoir un crossover haut de gamme mais avec quand même ceci. Vous pouvez voir que ce modèle n'a pas la climatisation mais elle est disponible en option. Vous avez une prise 12 volts. Voilà, pour brancher votre téléphone portable. Merci, vas-tu sortir. Pour brancher votre téléphone portable, voilà. Après, rien de particulier. Les vitres électriques manuelles, enfin, électrique manuelle, ça fait bizarre. Mais il va falloir maintenir le bouton pour que la vitre descende. Et la vitre à impulsion pour le chauffeur. Voilà. Donc au niveau de l'intérieur, c'est vrai que l'utilisation de ces... Merci. L'utilisation de ces matériaux comme ça, comme ici les aérateurs chromés, ça fait vraiment penser à Smart. Regardez, vous prenez juste cette partie-là et osez me dire que s'il n'y avait pas la tablette, osez me dire que vous n'auriez pas cru à une Smart for Two. Vous allez me dire que non, parce que vous êtes de mauvaise foi. Mais bon. Donc voilà, alors au niveau de la boîte à gants, comme d'habitude, on a une boîte à gants qui a une contenance plutôt sympa. Il faut savoir que même des voitures traditionnelles peuvent avoir des boîtes à gants un peu moins grandes. Donc ici, les boutons du chauffage. Toujours les mêmes. Alors oui, truc marrant, c'est que la ventilation en fait peut s'enclencher quand le moteur ne tourne pas. D'ailleurs, elle est assez puissante, elle est un peu bruyante, mais elle est quand même assez puissante. J'avais dit sur une voiture que la ventilation n'était pas puissante, mais bon, et voilà quoi. C'est assez puissant. Ça sort des quatre côtés. Alors c'est beaucoup plus fort ici que là. Hop, on va couper la ventilation. Au niveau de l'intérieur, vous avez l'ordinateur de bord qui va vous indiquer l'heure, la température, la vitesse, le témoin de rapport engagé, le kilométrage que vous avez effectué. Oui, elle est complètement neuve. Hein. Alors, ici vous avez le trip A qui vous dit le nombre de kilomètres journaliers que vous avez fait, la vitesse moyenne et le temps de parcours. Et le trip B, exactement pareil en fait. C'est une remise à zéro du trip A. Au niveau des compteurs, les compteurs sont assez jolis. On sent qu'Exam a voulu nous faire un petit côté virtuel cockpit avec ça. Parce que si vous plissiez les yeux, vous pouvez quand même avoir l'impression que c'est les écrans par exemple d'une Golf ou d'une Audi. Enfin, dans le cas une Audi. Alors, ici, vous avez... C'est pas un petit écran, mais voilà, avec les LED pour vous indiquer le témoin de batterie, etc. Le témoin du frein à main... le témoin d'huile, je vais peut-être mettre de l'huile,
parce que bon, elle est neuve, donc voilà. Après, vous avez les contreportes qui ont un peu changé aussi, mais comme je vous disais, c'est les mêmes que ceux de la GTO. Si vous voulez une présentation plus détaillée de l'intérieur, je vous invite à aller voir la GTO qui est juste ici. Du coup, qu'en est-il pour le coffre? Alors, simple pression sur le bouton d'ouverture du coffre de la clé ou ce bouton là-bas, normalement que vous pouvez voir à côté du volant. Alors, le coffre est quand même assez grand. Vous avez une contenance de, selon le catalogue Exam, de 1000 litres avec la tablette rabaissée. Vous avez ici livré avec le véhicule, soit merci, soit ce kit avec la bombe anti-crevaison, soit une roue de secours en alliage de 13 pouces. Et donc voilà, pour le coffre, on va passer maintenant à un petit essai routier pour voir quelles sont les sensations de conduite, etc. Est-ce qu'on est dépaysé comparé à une City? On va voir. Alors, concernant les sensations de conduite, on va déjà allumer le moteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le moteur fait toujours le même bruit, hein, c'est pas forcément un bruit très agréable, mais il n'est pas extrêmement fort. Évidemment, quand vous démarrez la voiture, c'est-à-dire quand elle est froide, vous allez quand même avoir un peu de bruit, mais ça va vite être atténué. Alors, on va y aller. Hop, attention monsieur. Donc oui, petit bémol quand même, c'est que sur la City, je disais rien, parce que, en fait, il y a énormément de garde au toit, donc on n'est pas gêné par ça, mais on est un peu proche du volant, quoi. Et comme c'est une voiture qui est quand même assez grande, on aurait préféré quand même être un peu plus loin. Alors au niveau de l'accélération, ben, ça accélère de manière tout à fait convenable pour la catégorie. C'est un peu moins puissant que la Minotto de tout à l'heure, mais globalement, bon, ça va.